Regroupement de 60 pays et organisations internationales, la Coalition pour le Sahel veut se doter d'une feuille de route pour apporter une réponse collective et solidaire à la crise au Sahel. L'évolution du processus est portée ce jour à l'attention du chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, président en exercice du G5 Sahel, par Dr Jimmy Adum, aux représentants de la Coalition pour le Sahel. Par cet exercice, la coalition veut répondre au mieux aux préoccupations de l'heure. La feuille de route est vieille d'un an, nous sommes en train de la retravailler pour prendre en considération les préoccupations des pays du G5. Et donc cette feuille de route devient un cadre logique dans lequel donc, nous allons insérer les préoccupations des pays du G5. Les partenaires s'organisent à tenir un atelier piloté par la présidence du Tchad, un atelier régional, auquel vont participer tous ceux qui sont associés à la coalition. Et ça nous permettra, avec les pays du G5, avec les partenaires techniques et financiers, de finaliser cette feuille de route que je vais donc présenter en fin juin à une réunion ministérielle pour la valider. Et une fois validée, donc, elle servira donc de compas pour pouvoir mettre en œuvre les activités qui sont contenues dans cette feuille de route. Articulées autour de quatre piliers, les actions de la coalition visent à lutter contre les groupes armés terroristes, renforcer les capacités des forces armées des États de la région, soutenir le redéploiement de l'État et des administrations sur le territoire et apporter l'aide au développement. Des actions qui passent par une feuille de route claire, mais aussi une mobilisation effective des ressources. Un vrai défi pour Dr Jimmy Adum, qui compte s'investir pleinement pour aller vers du concret. Ça nous a pris toute une année pour démontrer à suffisance que ce n'est pas seulement un exercice d'avoir des objectifs, identifier des résultats avec des indicateurs. Il faut aussi des ressources, des financements pour mettre en œuvre donc, ces projets-là. Donc fort heureusement, je crois que la communauté internationale est bien consciente de ce fait. Moi, mon travail, c'est de mobiliser les 60 pays et organisations internationales qui font la coalition. Nous sommes pleinement engagés dans ce sens. Il n'est plus question de répéter ce qui n'a pas marché. On prend cette expérience-là, on va redynamiser, on va redéployer les efforts pour qu'effectivement ça devienne du concret. Le haut représentant de la coalition pour le Sahel est également instruit par le chef de l'État à l'effet de mobiliser les appuis des partenaires pour faire face aux moments difficiles que traversent les pays du G5 Sahel, avec un point d'orgue sur la redynamisation des dispositifs sécuritaires et de développement permettant de répondre de manière adéquate aux attentes des populations sahéliennes.